ce lundi 18 septembre, après que sa compagne Giuseppa a annoncé être atteinte d'un staphylocoque doré à la main, Padia, révélé dans Les Marseillais sur W9, a partagé ses craintes. La semaine a mal commencé pour Giuseppa. En effet, depuis plusieurs semaines, la jeune femme souffrait d'importantes démangeaisons à la main. Pensant au début qu'il ne s'agissait que d'un eczéma, la maman de Georgia a pris son mal en patience autant que possible. Seulement, plus les jours passaient, plus l'état de sa main s'aggravait. Alors, ce lundi 18 septembre, la candidate de télé-réalité a décidé de passer des examens. Et après une batterie d'analyses, le verdict est enfin tombé, mauvaise nouvelle. Le laboratoire m'a appelé pour me dire que j'avais un staphylocoque doré. Mais si cette annonce l'a fortement contrarié, l'ex-participante du reste du monde s'est tout de même félicitée d'avoir pris ça au sérieux et d'avoir su réagir à temps. Après avoir digéré la nouvelle, Giuseppa a fait un point sur son état de santé et le traitement qu'elle doit suivre à la lettre. Ce n'est pas très grave, mais c'est à surveiller. Un infirmier viendra me voir pendant 10 jours pour changer mon pansement, surveiller que ça n'évolue pas et que ça cicatrise bien. Je dois aussi prendre des cachets matin et soir. J'ai une crème antibiotique et une crème à la cortisone, a-t-elle déclaré, dans sa story Instagram, en espérant de tout cœur se débarrasser au plus vite de son infection. Il y en a un autre qui attend cette guérison avec impatience. Plus tard dans la soirée, Padia, son fiancé, est passé aux aveux dans sa story Instagram. Ma femme a un staphylocoque doré à la main et, étant donné que je suis hypochondriaque, j'ai peur de la toucher. J'ai peur de tout, a-t-il confié. Avant de préciser, je rigole, mais pas tant que ça. Si elle s'est félicitée d'avoir pris au sérieux son infection à la main, ce qui lui a permis de conseiller à ses abonnés de ne pas minimiser un quelconque problème de santé. Giuseppa est tout de même agacée par la situation. Dans sa story Instagram, la maman de Georgia a écrit « Normalement, je m'en fiche quand j'ai des soucis de santé ou que je suis malade. » Mais là, le simple fait d'entendre « staphylocoque », ça me contrarie de fou.